Bonjour tout le monde. Bonjour. Lundi 22 avril, c'est notre 8e jour de marche. C'est donc notre 2e semaine. De son embouchure à Saint-Nazaire jusqu'à sa source au mont Gerbier de Jonc en Ardèche, Michel et moi remontons à pied le dernier fleuve sauvage d'Europe, la Loire. Des vignobles enivrants du Val-de-Loire jusqu'au plateau du Velay, en passant par les splendides jardins et châteaux de la Loire, les bocages de la Bourgogne et du Bourbonnais, les pentes escarpées des monts du Forêt, pendant plusieurs semaines, suivez-nous tous les jours dans cette nouvelle et magnifique aventure. Quittons la commune de Saint-Dié et ce soir nous allons à Beaugency. C'est une étape de 18 km. Pour ceux qui ont des problèmes d'insomnie, je vous conseille la marche à pied. Hier, on a fait une sieste et le soir ça ne nous a pas empêché de nous coucher à 22h et d'être réveillés ce matin par le réveil à 8h. Alors la marche à pied, c'est bien pour les insomniaques. Alors par contre, là, on est au bord de Loire, à l'ombre, et ça fait froid. Ah, ouais, je peux aller dévaliser une banque avec ça. Ouais, ah, ça va mieux. Bonjour. On vous embête pas, Sophie. Ah non, pas du tout. En pleine préparation. Petite pause café. Enfin, surtout pour Michel. Ouais, je suis encore tout seul à en prendre. Et on a profité pour acheter un sandwich. Un sandwich pour nous deux, parce que il y a 3 jours, on avait pris un sandwich chacun et ça nous faisait trop. Ouais. On s'est rendu compte que quand on est en plein effort, on mange pas beaucoup. On se rattrapera ce soir. Voilà. Hein? Alors on va se le partager. Je vais donner la salade à Michel et puis moi je vais prendre le reste. Je m'attendais à un truc comme ça. Ah, je suis le souffre-douleur. La notion du partage. Eh bien, c'est reparti. C'est bizarre, ce matin, on est bien en jambes. On craignait un peu, déjà parce que c'est la 5e journée. Et aussi parce que hier, on a mangé quand même andouillé de frites le midi. Et merguez frites le soir, donc on n'en peut plus. Pour être en jambes le lendemain, il y a mieux. Tout au loin là-bas, nous voyons le château de Saint-Laurent-des-Eaux,
avec ses deux donjons. C'est un château assez particulier, contemporain. Ah bah parfait. Pause casse-croûte. Midi et demi. On a fait 11 km. On est parti ce matin à 9h30. Avec une petite pause café d'un quart d'heure. Oui. Et il nous reste 7 km. J'ai pas la cage où je marche le mieux. Hein. Ouais. Voilà. Ah punaise. Le truc qui tue. Bon bah demi-tour hein. Oh, c'est pas possible. Nous faire ça à nous à 300 mètres de l'arrivée.
Puis bien sûr, ça va être de ma faute. Je vais être blâmé. Ouais. Ah, ça complètement. Aïe. Je cherche le coupable. Je crois l'avoir trouvé. C'est pas celui qui marchait avec nous l'autre jour? Ouais. Nous sommes arrivés. 20,2 km. Il y a toujours un peu en plus, hein. Ouais, toujours un kilomètre. On est pour partir pour 18 km. À la fin, il y en a 20,2. Ouais, il nous a habitué à ça, les kilomètres élastiques. Et ben voilà, on va prendre nos douches, on va soigner les ampoules. Et puis moi, je vous souhaite tout simplement une très bonne soirée et tout simplement à demain. À demain.